D'abord, je voulais te remercier d'être, de venir là à l'école d'Avignon. Tu ne viens pas souvent. C'est un honneur pour nous de te recevoir et de pouvoir faire partager tout ce savoir-faire aux jeunes et donner l'amour du métier. Merci beaucoup pour ton temps et, ta gentillesse en tout cas. Écoute, c'est le principe de la vie. Quand un ami t'appelle, tu dis oui, toi. Comme bien évidemment, donc c'était avec grand plaisir. Mille merci à toi donc, de ce partage parce que j'ai eu donc des jeunes gens absolument adorables et le savoir s'il n'est pas partagé, ça ne sert à rien. Tu es content de l'expérience avec les jeunes à l'école ? C'est parfait et en même temps c'est très rassurant et ça permet également de fermer le bec à plein donc de rumeurs, donc de phrases toutes faites qui disent « Oui, mais les jeunes, demain, il n'y a plus rien, ils sont feignants, il n'y a plus de passion, etc. » Et donc sorti d'une matinée comme ça, bah, tu te rends compte que tu dis « Waouh, ça pousse derrière. » Ça, on l'entendait quand on était jeune. Déjà. Bien qu'on soit encore jeune. Déjà. Toujours jeune. Surtout toi. Mais c'est vrai que les jeunes, on entendait ça aussi. C'est vrai. En fait, finalement, c'est l'histoire qui recommence. Une évolution, la transmission. Toi, bravo. Oh, il faut le sacrifier. Quelqu'un veut se sacrifier.